大家好，我很高兴啊，你们都来。我觉得这个是第一次发发表发问的会议，这个是真的。OK， 有没有人说汉语？谁？你呢？没有人说汉语，啊哈，有意思。So 没关系，你们知道，对不对？So 我名字是戴明，我是技术总监在 Bysoft， in 广东。我做 lamp 技术。为什么开始这个用汉语？所以你们知道，你们有这个音会明白。奇怪，对不对？ Anyway, I will switch. I of course started with the show, but I wish to give you the first impression it is to actually land in China, because the first thing you understand is that you don't understand anything at all. And probably, and as soon as you move to something else, it's going to be English, so you're not going to understand anymore, right? But this is still better than handling it in Chinese is still not the best. So, je vais quand même finir par repasser en français, sinon je pense que je vais vous perdre, surtout si vous avez tous faim. Mais l'idée était vraiment de vous donner l'impression que ça donne quand on débarque comme ça au milieu d'une équipe de développement, que la langue, là où les langues, est tellement beaucoup plus loin que ce qu'on a là, et que même ce qu'il y a entre les deux, bah, je dirais c'est de l'anglais, même si on est effectivement habitué et qu'on a pris l'entraînement, il y a quand même une grosse, grosse distance à couvrir. Et toujours le même objectif d'arriver à faire quelque chose avec une équipe de développeurs. Donc, je vais vous présenter le programme aujourd'hui. On va faire un petit tour sur les différents aspects, sur ce qui est un petit peu le quotidien d'un directeur technique à Canton avec une bande de développeurs chinois, notamment au niveau des différences culturelles, notamment après ce que ça implique en termes de gestion de projet, et puis sur le travail de tout ce qui est excellence technique, donc être capable de faire monter les développeurs en gamme et de leur faire apprendre quelque chose, sachant qu'on ne sait déjà pas trop ce dont ils ont au départ. Donc, on va commencer évidemment sur la partie différence culturelle. Ça, c'est le plus évident. Je dirais que vous avez touché du doigt un petit peu mes problèmes de tous les jours. Je vais quand même évidemment pas résister au plaisir de vous mettre un peu de Chinglish. Donc, Chinglish, c'est évidemment un néologisme qui couvre les mots que les Chinois traduisent très très mal. Je vous déconseille d'aller dans cet hôtel, notamment pour ses étages 17 à 14. Oui, voilà, il n'y a qu'un seul ascenseur qui monte et qui redescend. Ce que j'ai beaucoup aimé, et je serais intéressé s'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre, c'est que du Chinglish, il y en a aussi en français. Hein. Donc je ne sais pas si vous êtes capable. C'est dommage parce que c'est une très bonne boulangerie avec un chef qui justement a fait ses études en France. Donc c'est intéressant. Mais le Chinglish, ça intervient auprès de voilà, ça intervient aussi en français. Et c'est dommage parce qu'on a une belle image de marque. Le français c'est utilisé. J'étais d'ailleurs assez étonné pendant mon séjour en Chine de m'apercevoir que les références françaises sont importantes. Le dernier que je vous ai mis, parce que je veux quand même mettre les pendules à l'heure, c'est que le Chinglish, ça marche dans l'autre sens. Donc le dernier idéogramme que vous avez en bas, Wenxiong, c'est celui que j'ai utilisé lorsqu'on était en train de débugger un moteur de recherche. Donc on avait un moteur de recherche sur un site de commerce électronique avec des ventes d'habits. Et le moteur de recherche déconnait, donc on a évidemment commencé à chercher, à tester ça. Assez naïvement, j'ai cherché avec des mots en anglais. Bon, ça n'a rien donné, on n'arrivait pas à reproduire le bug. Et au bout d'un moment, je me suis dit, moi, c'est peut-être le chinois qui pose problème. Donc, j'ai récupéré ça. Et puis, j'y suis allé sécuritaire. Wen, c'est civilisé. Donc, c'est bien. Je dis Wenxiong, ça va certainement être utile. Donc, évidemment, je l'ai placé. J'ai réussi à faire crasher le système avec ça. Donc, on était contents. C'était ça. Mais mes développeurs m'ont tous regardé d'un drôle d'air. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas contents? On a réussi à reproduire le bug. Maintenant, on va pouvoir diagnostiquer. C'est l'étape d'après. Et là, ils m'ont dit, mais t'as trouvé cet idéogramme où? Bah, je dis, je l'ai copié sur le site. Ah oui, parce que ça veut dire soutien-gorge. Là, j'aurais dit que j'aurais probablement aucune chance de leur expliquer que je l'ai vraiment copié au hasard sur le site, donc on est passé tout de suite à la suite. Bon, en tout cas, il y a trois niveaux de traduction. Il faut bien imaginer que quand on travaille aujourd'hui à l'intérieur de Bysoft, il y a beaucoup de clients qui sont français. Donc avec qui on discute directement en français.
Mais évidemment, une fois qu'on a fait les spécifications avec eux, il faut qu'on transforme ces mêmes spécifications en anglais. Alors, je vous laisse imaginer déjà le gap qu'il peut y avoir entre le français et l'anglais. Vous êtes tous bilingues et vous savez comment faire les différences sémantiques, comment fines en anglais. Mais donc déjà, il faut qu'on fasse cette traduction. Et deuxième étape, il va falloir que les Chinois fassent le même travail dans le sens inverse pour arriver à comprendre ce qu'on leur raconte. Donc on a deux étapes, deux couches de traduction avec à chaque fois un niveau de perte en ligne qui est un peu plus important. Sans compter que derrière eux, ils ont encore d'autres langues locales. À Canton, il y a en plus le cantonais, ça ils l'utilisent dès qu'ils ne veulent pas qu'on comprenne. À Shanghai, il y a le shanghaïen, et puis il y a tous les dialectes locaux qui font partie de l'entreprise. Alors, pour ne pas rester juste sur le niveau des problèmes, quelles sont les solutions à ça? La première, c'est évident et c'est extrêmement apprécié, j'aurais vraiment insisté là-dessus, apprenez le chinois. Apprenez le chinois, ça fait une énorme différence pour parler avec les locaux, d'être capable de comprendre quelques mots. D'abord, c'est plus facile à comprendre que ça parce qu'on a l'avantage de s'appuyer sur les éléments techniques, on va le voir après, et surtout que les outils eux-mêmes sont assez terribles en termes d'aide. Donc là, vous avez quelques exemples de traduction dans un sens comme dans l'autre, mais autant français-anglais, ça marche bien chez Google, autant en français-chinois, ça ne marche pas du tout. Bon. En tout cas, parmi les aides qu'on peut avoir et qu'on utilise énormément, il faut savoir que, comme en français par rapport à l'anglais, on utilise énormément de termes techniques qui sont directement des loan words. Je ne sais pas comment ça se traduit ça en français. En tout cas, des mots qui sont empruntés à la langue. Donc, on va dire, par exemple, « Zhege class shostatik, yo wentima ». Bon, je pense que vous n'avez pas trop compris le fond, mais vous avez déjà identifié qu'on parlait d'une classe et qu'elle était statique et qu'il y avait peut-être une question autour de ça. D'accord ? Énormément de ces mots-là sont là, donc on peut se baser en permanence sur les éléments techniques, on peut se baser sur le code, regarder une feuille de CSS, ça, c'est l'avantage, je dirais, c'est international. De temps en temps, ils s'amusent à faire une traduction. Vous avez un exemple qui est indiqué là. Il y a des fois, les traductions sont complètement lisibles. Ça ne vous parlera pas, mais le premier idéogramme, ça veut dire route. Le deuxième, ça veut dire choisir. Et le troisième, ça veut dire appareil. Un appareil qui choisit la route, oui, c'est le routeur. Il y a plein de choses qui sont constituées comme ça. Le téléphone, c'est la voie électrique. Bon, ça, c'est parlant. C'est parlant. Et sinon, l'autre outil qu'on utilise en permanence, notamment pour dialoguer avec les clients, c'est les copies d'écran. Alors ça fait un peu vieux jeu, je trouve, mais finalement, on s'est aperçu que c'était extrêmement important, notamment parce que s'il y a un pays aujourd'hui qui a la traîne sur l'adoption du IE6, c'est la Chine. On a encore 25% de la population qui utilise encore IE6, donc on est en permanence confronté avec des problèmes du genre « tiens, ça marche pas, quand je l'affiche dans mon navigateur, il y a les couleurs qui ont changé, et choses comme ça ». Et là, s'il faut effectivement partir du français qui doit faire cette vérification et remonter jusqu'au chinois, on a tout perdu en ligne. Donc l'utilisation de copies d'écran, l'utilisation de génération de thumbnails ou de copies par rapport au travail qu'on a fait pour justifier qu'on a fait un travail correct, c'est standard. L'autre point, comme je vous le disais un petit peu avant, c'est qu'il est important de parler la langue et ça marche dans les deux sens. Donc on a mis en place des cours de langue qui sont donnés directement par les employés les uns aux autres. Avec pour objectif, évidemment, d'élever le niveau de la langue. Donc ça, c'est la première chose intéressante. Je dirais que j'étais agréablement surpris que les développeurs chinois étaient intéressés par apprendre le français aussi. Donc on a une fois par semaine un cours de français qui est donné. Les cours d'anglais sont donnés par les étrangers. Et l'objectif, c'est de se découvrir mutuellement. Donc de couvrir l'espace, la différence culturelle et de savoir un peu ce qui est en train de se passer. Donc évidemment, à Noël, on a fait une section sur qu'est-ce que c'était que Noël. Inversement, en chinois, on a fait la partie fête du printemps avec quelles sont les différentes activités au niveau de la fête du printemps. Récemment, on a même réussi à faire quelque chose sur les élections françaises sur lesquelles ils étaient intrigués. Bon, évidemment, on en savait plus sur leur système électoral que sur le nôtre, mais c'est une autre chose. Et donc, à ce stade-là, les cours qui sont faits là ont vraiment le focus, non pas sur les spécificités de l'entreprise, sur le but sur les éléments techniques, mais sur une découverte réciproque. Il faut savoir qu'au-delà de la grande, de la barrière de la langue, je dirais qu'il y a au moins deux niveaux de blocage derrière. Il y a le grand firewall chinois. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà expérimenté? Je crois qu'on en discute. Bon, il y a une barrière technique qui fait que la Chine, effectivement, limite l'utilisation de l'Internet. Donc, c'est très varié. Il y a des sites qui sont complètement interdits, typiquement Blogspot. YouTube et Dailymotion sont complètement interdits. Il y en a d'autres, c'est intermédiaire. Donc, Gmail et Le Monde, ça va, ça vient. Et puis après, il y en a d'autres qui sont autorisés en permanence.
Mais ça veut dire que déjà, il y a vraiment une grosse ségrégation entre les gens qui sont à l'intérieur, les gens qui sont à l'extérieur et ceux qui sont capables de faire le pont. Et ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on a des gaps à passer, parce que si vous tombez sur quelqu'un qui a l'habitude de dialoguer ou d'aller voir les technologies extérieures, qui a son propre VPN, à ce moment-là, vous allez avoir un niveau de discussion qui va être très fluide. On se comprend. On est même à peu près au même niveau, parce qu'à ce moment-là, ils sont curieux, ils ont appris les choses et on va plus loin. Si par contre, c'est un développeur qui lui est bloqué ou qui n'a pas encore compris comment utiliser un VPN ou qui a peur d'aller utiliser l'anglais et d'aller à l'extérieur, à ce moment-là, il va rester sur les technologies chinoises. Donc, il ne va pas parler de Twitter, il va parler de Weibo. Il ne va pas parler de MSN, il va parler de QQ. Ils vont être constamment bloqués sur des choses qui, au demeurant, sont un monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, QQ, vous comptez 700 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire que même si vous ajoutez la totalité des pays du G8, vous n'arrivez même pas, en termes d'habitants, à un nombre pareil. Alors qu'aujourd'hui, quand QQ décide de faire une grande rencontre en ligne, 250 millions en parallèle et utilisateurs simultanés sur le réseau, ce n'est pas un problème. Ils ont l'infrastructure qui va avec. Donc, à voir, il y a le Great Firewall technique, il y a la barrière de la langue, et puis effectivement, il y a les petits décalages culturels qui sont importants, qui là, pour le coup, ne gênent pas grand-chose au niveau technique, je dirais, mais qui vont être un petit peu surprenants. Donc, par exemple, la sieste. Alors, la sieste, ça, c'est peut-être pas forcément le plus impressionnant. Le fait d'avoir des Chinois qui se raclent extrêmement fort la gorge ou qui lâchent un énorme euro au milieu de l'open space dans l'après-midi, c'est pas un problème. Ce qui est vraiment cocasse, d'ailleurs, c'est que après ce rôle-là, généralement, il y a cinq têtes qui se lèvent. C'est que les étrangers. Ils sont tous en train de se regarder en disant « Mais qui est-ce qui a fait un truc pareil ?» Les autres, ça ne dérange absolument pas. Alors, est-ce que c'est gênant ? Non, mais c'est vrai que ça fait partie de toutes ces petites frictions qui fait qu'on a un petit peu de mal à se lier. Ce qui fait qu'au demeurant, je dirais, on a adopté une pratique au moins chinoise assez courante qui est de sourire en permanence. Même quand vous vous faites en papaouté dans les grandes largeurs, même quand la situation est difficile, de toute façon, faites-le avec le sourire. Donc, vous engueulez quelqu'un, vous le faites avec le sourire. Vous allez attraper du code, non, attendez, là, il y a un problème de sécurité. On rigole pas, hein. On sourit. Non, on sourit. T'as vu, là, il y a un gros problème de sécurité, il va falloir le corriger. C'est un exercice, hein. C'est un exercice à prendre au départ, de quasiment être obligé d'engueuler quelqu'un ou parfois de l'insulter parce qu'il faut un peu le réveiller, mais garder le sourire. Essayez ça, vous allez voir, c'est pas évident, mais il y a plein de situations, et dans la vie courante et dans la vie professionnelle, où vous avez besoin de vous retrouver dans ce goût-là, d'utiliser cette arme-là, parce qu'il y a des fois où vous avez bien compris que le gars, il veut pas vous laisser passer pour attraper, je sais pas quoi, acheter un objet qui est juste derrière lui, mais vous l'avez vu, alors vous lui faites un sourire, et vous dites « oui, tu veux pas me le vendre, il n'y a pas de problème, tiens, regarde, c'est là, ça coûte 5 quoi, hop !» Et ça passe. Donc, ça passe, comment ? Je trouve que d'ailleurs le tableau là-haut est assez terrible parce que c'est vraiment très caractéristique. C'est une déformation, c'est une réutilisation de l'art révolutionnaire, de la grande révolution culturelle, avec ce sourire qui est caractéristique de l'auteur et qui est complètement figé, à la fois excessif et en même temps qui correspond bien à la situation de oui, quelqu'un me fait mal, mais malgré tout, j'essaie de sourire en permanence. Et donc, garder ce sourire-là, c'est aussi que quand vous êtes sympa avec les autres, vous allez éviter de leur faire perdre la face. Et ça fait partie des choses que généralement les étrangers connaissent. Donc, cette notion de face, mienze, on a du mal à le traduire, c'est un peu votre honneur, c'est un peu votre respectabilité, c'est un peu votre relation et votre place par rapport aux autres. Dès que vous abaissez quelqu'un et que vous arrivez à l'engueuler et à lui montrer qu'il a fait une erreur, eh ben effectivement, vous êtes en train de le rabaisser et au passage, vous rabaissez tout ce qu'il y a avec lui. Donc, si vous êtes en train d'engueuler un inférieur, un subordonné, vous êtes en train de lui expliquer qu'en tant que patron, vous n'avez pas été assez bon. Donc vous êtes en train de rabaisser tout le groupe. Donc ça ne marche jamais. Ce qui fait que les développeurs ont toute une collection d'excuses bidons qui vous permettent de ne jamais perdre la face. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai toujours trouvé caractéristique. Ça a été un directeur marketing d'une boîte étrangère qui est venu arriver à Canton et qui, lors de la première rencontre avec les fournisseurs, a décidé de leur faire un cadeau. Donc, il a cherché un cadeau qui pouvait être sympa, et un parapluie, c'est la saison des pluies à Canton, quand il tombe de l'eau à Canton, il tombe vraiment de l'eau. Donc un parapluie, c'était bien. Donc il a demandé à sa secrétaire de sourcer une cinquantaine de parapluies, de mettre le logo de l'entreprise, et donc effectivement, la secrétaire a fait ça. Et puis le jour où il fallait donner les parapluies étaient introuvables.
J'étais réceptionné le matin, mais on ne les trouvait plus. En fait, on n'offre jamais de parapluie en Chine. C'est un mauvais signe. C'est un peu comme l'ouvrir chez nous, c'est une façon de dire « je me protège contre quelqu'un d'autre et donc je ne veux pas de ton amitié ». Donc, il ne fallait pas offrir des parapluies aux fournisseurs, parce que là, tous les fournisseurs allaient s'en aller. Mais en même temps, pour éviter que le patron perde la face, les secrétaires avaient trouvé le moyen de faire disparaître les parapluies au dernier moment. Donc là, il y avait un problème, on ne savait plus où ce qu'elle était, quelqu'un les avait pris, et ça permettait de sauver la face à tout le monde. Donc à la fois, le fournisseur n'avait pas ses parapluies, donc il évitait de se mettre en rogne, et puis le VP, ce n'était pas de sa faute, il avait bien fait le cadeau, il était bien là, mais quelque chose s'était mal passé. Donc, typiquement, aujourd'hui, quand un Chinois me dit qu'il va à l'hôpital, j'ai compris qu'il ne veut pas me voir. Ou alors les hôpitaux seraient bondés. Donc voilà parmi les éléments qu'on voit le plus. Et donc, pour faire la transition avec cet élément-là, ça a un impact énorme sur la gestion de projet. Donc là, je viens de vous donner l'exemple de ce VP marketing, mais en termes de gestion de la hiérarchie, les Chinois ne remettent jamais en cause la hiérarchie. Ça vous plairait, ça, de travailler dans un environnement où jamais on vient discuter vos discussions ? Vous prenez une décision, ça y est, c'est bon. Les gens se mettent dessus, se mettent en ligne et ils sont partis. Pas de discussion. Est-ce que ça vous arrive déjà ? Non. Non, hein ? Ouais, c'est vrai qu'on est en France quand même, hein, faut pas déconner. Ah, les premières fois, quand on arrive là-bas, c'est royal. On se dit, c'est cool, les gens, ils écoutent, ils font ce que je dis. Mais en fait, non, on comprend qu'on a besoin de ce retour du terrain. Il y a des fois, on prend une décision, mais on n'a pas pris en compte tous les éléments qui étaient là, tous les gens qui étaient, qui faisaient partie de la décision, des choses comme ça. Donc, ça a l'air sympa comme ça au demeurant au départ, mais il faut s'en méfier énormément. Avoir du retour terrain, avoir un moment, un espace sur lequel il faut discuter, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et comme je vous disais, c'est l'histoire de la face. On ne remet pas en cause la décision du chef, ce qui fait qu'il faut en permanence être sur le qui-vive et aller piocher les informations. Je dirais, si vous y réfléchissez bien, ça ressemble un peu à l'approche qu'ont tous les développeurs juniors. On n'arrive pas à savoir ce qu'ils font. On n'arrive pas trop à anticiper leur réflexion. On leur dit quelque chose, ils vont le faire, ils vont se lancer dessus. Et comme ils n'ont pas l'habitude d'anticiper les décisions ou de replacer ça dans un contexte, ils vont le faire jusqu'à ce qu'ils se trouvent bloqués et qu'on ait perdu 5 ou 10 jours. Aujourd'hui, c'est la même pratique qu'il y a avec les développeurs chinois. Il faut en permanence arriver à aller chercher ce qu'ils sont capables de comprendre, parce qu'ils en comprennent plus que ce qu'ils veulent bien dire, et être capable de leur dire « Vas-y, dis-le-moi, prends le temps et dis-moi ce qui ne va pas. » Parce qu'il y a des choses que je ne comprendrai pas. On travaille aujourd'hui avec des clients chinois, avec des façons de présenter les choses qui sont complètement à côté de la plaque par rapport à ce que nous, on voudrait approcher. Alors, la solution aujourd'hui... Au niveau des Chinois, ça va être de les embaucher en permanence avec au moins 2 ans d'expérience. Pourquoi ? Parce que quand ils sortent de l'université, ils n'ont aucune expérience. Il n'y a aucun stage en entreprise qui soit organisé pendant tout le cursus d'apprentissage des Chinois. Donc quand ils arrivent dans l'entreprise, ils ont appris à apprendre comme apprennent les Chinois. C'est-à-dire qu'ils apprennent et ils rabâchent énormément. Moi, j'ai toujours été épaté les premiers mois par le niveau qu'avaient effectivement nos interlocuteurs en termes d'anglais. Ils connaissaient un vocabulaire pléthorique, beaucoup plus que ce que je peux connaître en chinois, et pourtant, j'en apprends tous les jours. Mais en permanence, ils connaissaient beaucoup de vocabulaire. Simplement, ils n'étaient pas capables d'organiser les phrases. Et c'est là où se fait la différence. Ils apprennent énormément par liste de mots, par lire les lectures de texte comme ça, mais ils ne reformulent pas. Et au niveau du développement, c'est exactement la même chose. Vous allez être capable de leur faire réciter par cœur la liste des fonctions MySQL de PHP pour savoir laquelle il faut utiliser et à quel moment. D'un seul coup, c'est une autre paire de manches. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu le principe. Donc, on s'assure qu'ils aient au moins quelques années d'expérience pour savoir comment dealer avec leur patron, avec leur Laoban, et être capable de remonter les informations ou discuter et de ne pas rester en permanence planté parce qu'un problème les a sortis de leur choix. Aujourd'hui, il y a un énorme marché en termes de formation pour, je dirais, toutes les universités françaises. Là, il y a Centrale Pékin qui est créée depuis quelques années, il y a l'UTC de Shanghai qui est là, on en a d'autres, il y a beaucoup de formations qui seraient intéressantes. Toutes les formations d'ingénieurs, en général, trouvent beaucoup preneurs une fois qu'il est là. L'autre aspect au niveau de la gestion de projet, ça va être l'organisation de l'équipe elle-même. Alors, étant donné que l'entreprise dans laquelle je suis est une entreprise déjà d'étrangers, on a organisé tout de suite ça autour des projets.
J'ai des amis qui sont dans des entreprises qui sont organisées par les Chinois, et on retrouve l'organisation à la chinoise. Donc l'organisation à la chinoise, déjà, la tâche en elle-même est monolithique. C'est, il faut refaire le site web. Parfait. Voilà le site web, ça c'est la tâche. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire du graphisme, est-ce qu'il y a des points particuliers à adopter ou des choses comme ça? Non, non, il y a une seule tâche, c'est ça, tu l'as fait jusqu'à ce qu'elle soit finie. Donc il n'y a pas de détails. Alors je vous laisse imaginer effectivement qu'en plus là-dedans, le gars reste bloqué par un point technique qu'il a lui-même choisi. Mais ça, c'est une autre histoire. Et après, la répartition des tâches se fait par rôle. Donc il n'y a pas de gestion de projet en tant que tel, il n'y a personne qui décide qu'effectivement, on va vouloir livrer le site web à quelqu'un. Donc, il y en a par contre un qui s'occupe des templates, il y en a un qui s'occupe de la base de données, il y en a un qui s'occupe du code PHP. Et la plupart du temps, ça marche. La plupart du temps, ça marche. Le premier récupère le graphisme, il fait son intégration, il le passe au deuxième. Le deuxième fait le code PHP, le troisième, il fait la base de données, et puis ça sort, ça marche. Simplement, il y a parfois des trucs qui tombent entre les cracks. Il y a des choses où il faut que le code il sache comment la base de données fonctionne, ou il faut que l'intégration soit propre avec le code PHP. Et là, s'il n'y a personne qui s'occupe de la gestion de projet et qui est capable de résoudre les petits problèmes qui tombent entre les différentes tâches, eh ben les gens vont se regarder comme des chiens de faïence jusqu'à ce que le problème soit tellement gros que le client vienne gueuler. Donc tout ce qui est approche par fonction, on comprend vite que c'est un peu un espèce de reliquat des énormes entreprises chinoises à l'ancienne. C'est une espèce d'énorme mastodonte dans lequel les gens peuvent rentrer et partir. D'abord parce qu'il y a toujours des purges ou des mouvements politiques qui font déplacer les gens. Mais en plus, à notre niveau, ça correspond au turnover. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un développeur chinois qui rentre dans une entreprise s'attend à 30 à 50% d'augmentation de son salaire l'an prochain. Il commence de bas. Hein. Il commence autour de 600 € par mois. Mais en 4 ans, en général, ils arrivent à peu près à des niveaux européens. Et donc, si au bout d'un an, ils ne sont pas suffisamment bons, en tout cas que votre entreprise n'a pas suivi le rythme de développement, comme ils ont été formés et qu'ils ont appris un certain nombre de choses auprès des étrangers, en général, ils s'en vont. Ce qui, dans une entreprise chinoise, avec la pléthore d'employés, n'est pas un problème, parce qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui va reprendre la même fonction. Tiens, j'étais développeur PHP, je vais passer intégrateur, et j'ai vu à peu près comment ils fonctionnent. Donc, on se retrouve avec des pions qui, effectivement, s'enlèvent assez facilement, et ils n'ont pas du tout de notion de transfert de savoir. Alors qu'inversement, quand on est dans une entreprise qui essaie d'être plus efficace, on va mettre une ou deux personnes pour faire le travail, et là, dès qu'il s'agit de passer le boulot à quelqu'un d'autre, ou de passer la connaissance du projet d'un développeur à un autre, il n'y a plus personne. Les développeurs chinois, généralement, quand ils s'en vont le soir, ou quand ils vont quitter l'entreprise, 18h moins 5, on a un petit mail qui dit au revoir, j'ai bien aimé travailler avec tout le monde, 18h05, ils sont partis. C'est pas facile à gérer au niveau RH. Alors, au niveau de l'entreprise, comment est-ce qu'on gère ça? Paradoxalement, tous les gestionnaires de projets sont chinois, sont étrangers. Donc, au niveau de Bysoft, on n'a que des chefs de projet étrangers. On a réussi à former un chef de projet chinois qui nous permet effectivement de dialoguer notamment avec les clients chinois. Mais en général, c'est assez difficile de faire évoluer les développeurs vers un poste de chef de projet. L'autre truc qu'on fait en permanence, c'est les réunions de projet hebdomadaires. Alors, ça vous paraît certainement une porte ouverte, hein, mais là-bas, c'est effectivement pas évident, et ça permet de garder les développeurs en face sur le projet. Toutes les semaines, au moins, on les réunit, on fait le point sur chacun d'entre eux. On aimerait bien essayer de pouvoir passer à des choses comme les daily scrum, dans lesquelles, tous les jours, on leur demande de faire le point de ce qu'ils ont fait la veille, de ce qu'ils vont faire aujourd'hui, et de ce qu'il y aurait encore à faire demain. D'accord. L'objectif étant de les apprendre à anticiper, parce qu'aujourd'hui, dans les réunions techniques et dans les réunions projet hebdomadaires, ils viennent pour faire le bilan de ce qu'ils ont fait et on les pousse pas du tout à l'anticipation. On n'a pas de situation dans laquelle on peut leur dire « dis-moi ce que tu vas faire, comment tu vas t'organiser la semaine d'après ». C'est d'ailleurs en fait quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de leur système, parce qu'on a fait typiquement récemment des déplacements d'ordinateurs. On a pris les ordinateurs de Canton, on les a expédiés. Et on en a envoyé une petite partie depuis Canton. Donc, je dirais, dans la matinée, les Chinois ont fait les paquets, ils ont rassemblé les ordinateurs, les claviers, les souris, ils ont fait un paquet, ils l'ont expédié. Et puis, en regardant ça, moi, je me suis dit, on en a envoyé 8 ce matin, il va nous en falloir encore 8 dans 2 semaines. Donc, ce que je vais faire, c'est que, avant que Shanghai me demande les éléments suivants, on va préparer tout de suite les paquets pour que la fois d'après, on puisse l'expédier facilement. Et là, en termes d'anticipation, j'ai eu une levée de bouclier. Ah oui, mais si on prépare les écrans maintenant, on va les casser. Non, tu les as fait ce matin, c'était la même tâche que cet après-midi, donc prépare-les, comme ça sera prêt.
Ah ouais, mais on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire. Mais non, je te le dis, tu prends le temps cet après-midi, tu refais le même, comment, tu refais les mêmes paquets que la dernière fois, et puis, ah ouais, mais on ne sait pas quand ils vont nous les demander. Oui, c'est ce que je te dis, on va anticiper, donc on va se préparer pour que dans 2 semaines, quand ils vont nous le demander, je ne sais pas quand, mais quand ça sera prêt, on aura juste à expédier. Ah, mais on ne sait pas combien de temps, combien ils nous en veulent. Et c'était la même tâche que le matin. Mais là, d'un seul coup, c'était une espèce de tâche supplémentaire dont ils ne voyaient pas. On n'avait pas encore la demande, on n'avait pas encore la... On anticipait. On était en train de préparer quelque chose à l'avance. Et donc, il y a eu vraiment une longue litanie. Pendant 20 minutes, il a fallu argumenter pour arriver à le faire. Et au bout d'une minute, ils ont fini par être à court d'arguments. Et ils ont effectivement préparé les paquets qui sont partis la semaine d'après. Et là, on était très contents parce que le lundi matin, à 9h, il fallait les expédier. Et donc, à 9h05, on était prêts, c'était parti. Mais c'était assez terrible d'avoir ce manque permanent d'anticipation. Alors, parmi les outils aussi qu'on utilise, donc on a parlé des réunions hebdomadaires, et l'autre qu'on utilise aussi beaucoup, c'est Mantis, parce qu'à ce moment-là, ça permet vite de transformer quelque chose qui serait une anticipation en une véritable tâche. Et ça, paradoxalement, ça fait partie des choses qu'ils ont bien compris. Ils sont capables d'aller rentrer dans Mantis, de regarder la liste des tâches, et là, c'est plus l'anticipation, parce que c'est le chef de projet qui a fait ce travail-là, mais ils arrivent, ils ont une liste de tâches, ils sont capables de le faire. Donc, il faut juste s'arranger pour que tous les jours, ils en aient suffisamment à couvrir, sinon, dès qu'ils ont fini les tâches Mantis, ils s'arrêtent. Ils ne rentrent même pas chez eux, ils s'arrêtent. Dernier point, l'excellence technique. Comment est-ce qu'on fait pour les faire monter? Comment est-ce qu'on fait pour les former? Sachant qu'il ne faut pas non plus qu'on les forme trop, sinon ils risquent de s'en aller. Alors, le premier point que j'aime bien regarder, pour voir si un projet est bien dans ses bottes, j'aime bien utiliser le test de Joel Spolsky. Spolsky. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent déjà, celui-là? Ouais, bon, facile, d'accord. C'est pratique, 12 questions, assez rapidement vous allez le faire. Si vous écoutez ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, vous êtes capable déjà de répondre à combien de questions, là? Contrôle de version, on en a parlé. Déploiement journée, non. La base de données, la base de bugs, ben, je vous ai parlé de Mantis, donc on devrait en avoir une. Les bugs fermés, non. Et les candidats écrits du code, non, je ne l'ai pas mentionné. Vous avez déjà, rien qu'en écoutant ce que je vous ai raconté, je ne vous ai pas fait de description très précise, vous êtes capable de répondre à plusieurs des questions sur la façon avec laquelle on fonctionne. L'avantage, c'est que comme on part d'un pays où il n'y a pas d'historique, c'est-à-dire que l'informatique en Chine ne démarre vraiment, ne décolle que depuis les 3-4 dernières années, on évite des choses du genre CVS. Personne ne connaît CVS, donc ça évite d'avoir à faire une transition. Et tout de suite, il part sur Git, il part sur les choses bien. Par contre, il l'utilise généralement mal. Typiquement, on utilise Git pour transférer les fichiers. C'est bien, c'est pratique. Vous les mettez à un endroit, vous faites Git commit, quelqu'un d'autre fait un Git update, pardon, Git fetch, et il le récupère. Donc les spécifications, les fichiers, le code, non, il est sous SVN, il ne faut pas déconner, non, il faut un truc sérieux pour le code. Et ça, c'est difficile d'arriver à expliquer, parce que derrière, il y a le management qui comprend. Non, on ne fait pas une séparation, c'est une terme de sécurité. Git, c'est transfert sécuritaire des documents, et le code, il est ailleurs. Et le déploiement, il se fait toujours par FTP. Bah, faut pas déconner non plus, il faut qu'on garde un contrôle manuel dessus. Puis ça, on le retrouve, c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on refait et qu'on refait. Donc, en permanence, je vous rappelle le rabâchage, quand c'est des tâches qui sachent faire, ils aiment bien les faire et les garder. Donc déploiement automatique, aucune chance d'arriver à un résultat quelconque parce qu'on est en train de leur enlever justement des choses. On leur est en train d'enlever le travail qu'ils font. Donc c'est assez terrible. Mantis aussi s'en sert pour la gestion de projet. Donc on l'a vu ici pour créer les tâches. Il y en a, il faut carrément le planning à partir de ça. Donc pour résoudre ces problèmes-là, on a mis en place des réunions techniques avec pour objectif effectivement de jouer l'émulation interne. Donc pas seulement d'avoir la bonne parole qui descend du patron, parce que ça fait partie des biais très faciles qu'on a ici, mais vous imaginez très vite que quand vous faites une formation et que vous avez une cinquantaine de développeurs devant vous, c'est beaucoup plus difficile à faire passer. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une émulation, à ce qu'ils se forment les uns les autres. Il y en a forcément qui savent utiliser un peu mieux un Git que les autres, et comme eux-mêmes, ils parlent très bien le chinois, heureusement, à ce moment-là, l'information passe beaucoup plus vite. Donc, on pousse vraiment à ce qu'il y ait une émulation entre les développeurs, qu'ils aillent chercher l'information les uns avec les autres, et qu'en plus, on évite de passer par le goulet d'étranglement qui est, on va demander au CTO, même si c'est le patron. Et là-dedans, il y a effectivement deux aspects, deux challenges à avoir. C'est éviter qu'on passe en permanence par le patron et qu'ils arrivent à s'organiser entre eux.
L'autre truc qui a beaucoup marché, qui a vraiment bien marché, ça a été le fait d'utiliser la langue locale, donc utiliser le chinois pour faire la réunion technique. Ça a été assez cocasse. La première réunion, on a tous été ensemble. Il y avait quelqu'un qui avait préparé une présentation sur les templates de Drupal, quelque chose comme ça. Et donc, on était 20 dans la salle. Il y avait un seul étranger, c'était moi. Et ils ont commencé, évidemment, à faire la présentation en anglais. Forcément, il y a un étranger, il faut qu'il comprenne. Au bout de 10 minutes, je l'ai vite arrêté. Les templates Drupal, je sais ce que c'est. Je ne connais pas tout, mais j'en connais suffisamment. Et l'objectif, ce n'est pas de me former moi, c'est de les former eux entre eux. Donc, je leur ai dit, les gars, vous repassez en mode chinois et vous le faites entre eux. Et en réutilisant les techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir de repérer les mots étrangers ou en tout cas de voir le code, j'arrivais quasiment à mieux suivre la session qu'eux-mêmes en interne. Il y avait des discussions houleuses sur des choses visiblement assez compliquées. Mais en tout cas, chacun d'entre eux a compris ce qu'il y avait dans la formation et ils ont beaucoup plus sorti en ayant appris quelque chose qu'évidemment en ayant brillé auprès du patron. Donc vraiment, ça c'est un point important à conserver. Deuxième aspect, c'est que paradoxalement, en tout cas pour des gens qui ont suivi la philosophie communiste, il y a assez peu de partage. Il y a assez peu de partage. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a assez peu de communautés chinoises qui soient open source. Et ça, je trouve ça assez caractéristique. Je vous ai quand même mis un certain nombre de projets qui existent aujourd'hui, qui sont faits avec le code libre en Chine. J'aime beaucoup des DCMS, ça me fait beaucoup rire. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils l'ont sorti. Mais donc, il y en a pas. Ils sont tous structurés avec une entreprise qui est derrière. Donc, typiquement, c'est lié à deux choses. La première, c'est qu'il est quasiment impossible en Chine de constituer l'équivalent d'une association. On ne peut pas créer la FUP Chine. Alors, ça serait quoi? Ça serait la SUC. Comment? On ne peut pas créer d'association en Chine parce que tout de suite, on touche aux politiques. Donc, une organisation de plusieurs personnes comme ça qui veulent faire des choses, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est pas possible. La seule solution, c'est de créer une entreprise. Une entreprise, il va falloir qu'elle paye des salaires, il va falloir qu'elle paye des taxes. Enfin, malheureusement, ça arrive très vite. Donc, forcément, ça peut ne fonctionner qu'avec un mode éditeur. Et aujourd'hui, les entreprises ne sont pas suffisamment, je dirais, il n'y a pas eu encore un schisme important entre les développeurs qui veulent avancer dans une certaine voie technique et l'entreprise qui voudrait grossir et faire autre chose. Donc des évolutions, comme on aurait pu le voir nous, entre Mambo, CMS et Joomla, entre MySQL et SkySQL, des évolutions comme ça, pour l'instant, ce n'est pas du tout envisageable. Les entreprises, ça fonctionne uniquement sous forme d'éditeurs. En plus, comme il n'y a pas de chômage pour les informaticiens aujourd'hui en Chine, évidemment, on n'a pas de communauté intermédiaire qui décide de se prendre en main et de faire du freelance. En tout cas, si vous voulez jeter un œil, il y a quelques codes qui existent. Ce qu'on avait fait aussi pour pouvoir partager les connaissances internes de l'entreprise, ça a été d'utiliser un mode à la Stack Overflow. Encore une fois, la barrière de la langue nous a fait qu'on n'a pas pu utiliser directement le site à l'extérieur. Je crois qu'on avait une bonne connexion jusqu'à Stack Overflow, c'était bon. On utilisait Question to Answer de façon à ce que d'un côté, on ait les questions qui apparaissent et de l'autre côté, on puisse aller chercher auprès des autres développeurs les réponses des uns et des autres. Alors, je ne vous ai pas donné l'exemple exact, là, j'avais pas accès à ça. On avait des questions qui se baladaient en chinois. Donc, effectivement, c'était répondu par des Chinois. Le système a plutôt bien marché, et ça, je vous le recommande, notamment pour faire émerger, justement, les leaders techniques. C'est-à-dire que ceux qui passaient du temps à répondre aux questions étaient ceux qui se sentaient effectivement à l'aise. Et outre la base de connaissances qu'on a été capable de monter, en l'espace de 6 mois, on a quand même atteint à peu près un petit millier de questions et de réponses. Donc, quand même une grande panoplie qui couvrait à la fois du développement, de l'optimisation et des aspects plus commerciaux. Donc ça faisait le pont même jusqu'aux commerciaux quand ils nous posaient des questions sur quels sont les modules Drupal qu'on veut choisir, combien est-ce qu'on veut mettre d'utilisateurs sur une machine. Il y avait une base de connaissances qui était intéressante. Par contre, effectivement, il y en a beaucoup qui sont restés très bas et qu'on n'a jamais été capable de motiver suffisamment pour qu'ils aillent ou poser des questions ou mettre des réponses. Ce qui fait que on en a une partie qu'on a perdue. Comme je vous disais, de toute façon, avec 50% de turnover, on s'attend forcément à ce qu'au bout d'un moment, il y ait une partie de la population qui s'en aille. On avait au moins, avec ce système-là, identifié ceux qui étaient les meilleurs et ceux qu'on voulait conserver. Et puis, ceux qui parlaient moins, c'était un indicateur qu'on allait probablement les perdre d'ici ou à un autre. Enfin, d'un jour à l'autre. Je vais terminer sur un petit point qui me paraît intéressant parce que je voudrais insister. Je trouve ça a été pour moi une découverte quand j'étais en Chine.
Aujourd'hui, tout ce qui est autour du marché de l'informatique en général, mais ça marche beaucoup sur l'e-commerce, ça va marcher sur Big Data, le marché est en train de s'ouvrir. Donc on a une énorme transition qui est sensible au niveau politique et qui est sensible sur le terrain entre les entreprises qui jusqu'à présent faisaient de la production et qui aujourd'hui voient toute la population de migrants qui donc sont les gens, les OS, les gens sans formation particulière et qui venaient travailler dans les usines, commencer à se tarir. On commence à avoir moins de ces migrants-là, avec une augmentation du niveau de salaire, donc ça devient de plus en plus difficile de produire directement en Chine. Et évidemment, la solution, c'est quoi ? C'est de basculer d'un mode industriel vers les services et vers la technologie elle-même. Donc dans les prochaines années, tout ce qui est grandes infrastructures, la Chine aujourd'hui compte, je crois, une soixantaine de serveurs parmi les 500 plus grands au monde. Donc, outre l'image de marque qu'ils essaient d'engendrer, il y a effectivement un besoin qui est nécessaire là-dessus. Ils ont en permanence Weibo, par exemple, c'est un exemple typique. Ils continuent de copier ce qui est fait à l'extérieur. Parfois, ils essaient d'aller un petit peu plus loin. Alors, bon, j'ai pris un exemple un peu polémique, mais enfin, il y a les Tao Girls. Vous pouvez acheter quelque chose sur certains sites, sur certains sites de e-commerce, et non seulement vous avez différents choix de livraison, la poste, le facteur, livraison à domicile, mais vous avez en plus la livraison avec une jolie jeune fille qui vient à la maison. Et alors, dans les conditions, il y a marqué juste livraison. Dernier point que vous avez là, c'est vous avez cinq propositions d'emploi autour de PHP en Chine. Alors, le petit signe qui est à côté, c'est pas des WAN. Ça, c'est des WAN, c'est des blocs de 10 000. Hein, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, pour des développeurs PHP, on commence à trouver des salaires qui vont jusqu'au million de yuan. Le yuan par rapport à l'euro, il faut diviser par 8. Alors, effectivement, pour des développeurs, le dernier en bas, c'est un développeur, donc, c'est pas forcément très bien payé. On parle de 20 000 euros. Une fois qu'on monte jusqu'au million, évidemment, ça devient plus intéressant. Il commence à avoir des salaires, des projets ou des emplois qui sont comparables avec ce qu'on trouve en Europe. C'est pas nombreux. Ils vous demandent une longue liste de credentials, en tout cas d'expérience pour arriver à le faire. Mais on commence à avoir un marché qui se structure et qui a besoin de compétences extrêmement avancées. Et voilà, ça va être la dernière pour aujourd'hui. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Petite question par rapport au contexte, en fait. Qu'est-ce qui a motivé le fait d'aller en Chine ? C'est pour la réduction de coûts ? C'est pour l'ouverture de marché ? Il y a une étude qui a été faite à l'origine ? Comment ça s'est passé ? Alors, sur l'histoire de Bysoft, c'est clairement une réduction de coûts au départ. Donc, l'entreprise était installée à Melun, elle l'est toujours d'ailleurs. Et au départ, l'objectif, c'était effectivement d'avoir un centre offshore à Canton avec des développeurs qui étaient payés moins cher qu'en France. Et donc ça a été le début de la compagnie pour les trois premières années. Depuis, je dirais, l'an dernier, on a effectivement un retournement de tendance, à savoir que c'est plutôt la France qui est à la traîne. Et de l'autre côté, le marché chinois qui est extrêmement dynamique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter suffisamment de développeurs pour assurer tous les projets qui nous sont présentés. Donc il y a vraiment un retournement de tendance. Je dirais, je ne vois pas que la France devienne l'offshore de la Chine incessamment sous peu, parce que vu les tarifs, ils ont intérêt à être efficaces. Enfin, on peut effectivement gagner là sur le côté efficacité. En général, on arrive à compter un développeur français pour deux développeurs chinois. Parce que moi, j'avais entendu aussi que le niveau de vie augmentait de 20% par année en Chine par rapport au coût de la vie, en fait, ouais, que la Chine était en plein essor là-dedans. Vous l'avez remarqué ou oui, alors, oui, on le voit. Pour donner une idée, pour donner un ordre de grandeur, quand on arrivait au mois d'août dernier, la prise en charge d'un taxi, c'était 8 yuan, donc 1 euro. Aujourd'hui, on est monté à 13. Bon, alors, en soi, c'est ridicule. Je continue de payer mon taxi, je suis content parce qu'il y en a partout, c'est très pratique. Bon. Mais enfin, ça donne effectivement une idée de la production, de la progression. Les salaires que j'ai présentés là commencent à être vraiment plus fréquents. Ils sont essentiellement concentrés dans les grandes villes. Donc, les grandes villes, elles, vraiment rattrapent le niveau international. Je ne suis pas au niveau de Canton, je ne suis pas au niveau de Shanghai ou de Pékin, qui sont vraiment les deux grosses villes chinoises internationales. Canton, c'est probablement la première grosse ville
vraiment chinoise. Moi, je me balade dans certains quartiers, les gens s'arrêtent et me regardent. Qu'est-ce que c'est que ça, un étranger? J'imagine quand je suis avec ma femme et avec mes filles, c'est carrément un attroupement. À Shanghai, c'est plus du tout le cas. Et là, vraiment, les étrangers sont très nombreux, les salaires sont beaucoup plus hauts. Et effectivement, il y a un problème de plafonnement. Ce qu'on arrive à comprendre, notamment, c'est qu'en Chine, par exemple, il n'y a pas du tout de comment ça s'appelle ? Il n'y a pas d'ANPE. Il n'y a pas d'ANPE. La NPE est uniquement gérée par le fait que le coût de la vie est effectivement faible. Et c'est pour ça que tous les problèmes d'inflation qu'ils ont en ce moment est extrêmement aigu, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui se fait virer de son emploi, que ce soit une entreprise chinoise ou étrangère, c'est pas la question, il va retomber sur la famille qui continue de l'aider. Et effectivement, je dirais, si je me restreins un peu, je pense que dans la semaine, je dois manger tous les jours pour 2 euros. Donc je dirais, avec l'argent que tu as sur toi, tu vis un mois tranquillement. Quoi. Je veux dire, tu n'as pas besoin de salaire, tu n'as pas besoin d'aide à l'emploi. Et donc, les problèmes d'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des salaires, parce que les Chinois maintenant réalisent qu'ils veulent aussi accéder à un certain nombre de produits comme à l'étranger, c'est effectivement un gros problème pour eux. Merci. Bonjour. Oui. Je voulais juste savoir, concernant le fait d'avoir fait le outsourcing en Chine par rapport à certaines pratiques, je travaille avec des développeurs tchèques. D'accord. Et je me suis aperçu que la plupart du temps, ils voulaient refaire quelque chose qui avait été déjà fait plutôt que de corriger simplement un petit bug. Est-ce que c'est le même cas en Chine? Et est-ce que le fait d'avoir fait donc de l'outsourcing en Chine, ça vous permet de réellement gagner en argent par rapport au fait qu'ils vont peut-être passer plus de temps à développer l'outil ou pas? Comment? Nous, je dirais, dans les modèles, quand on fait un projet qui est vendu en France et qui est réalisé en Chine, je dis, on utilise la BAC qu'il nous faudra deux fois plus de développeurs chinois que ce qu'on aura vendu, je dirais, au niveau français. Donc, je n'ai pas de souvenir d'avoir rencontré de problème de « ils veulent repartir de zéro ». D'accord, qui mettent des variables avec des noms chinois, matinées d'anglais et bourrées de fautes d'orthographe, ouais, ça arrive. Donc bon, on l'a fait. Maintenant, on fait des inventaires, on surveille les noms des variables et puis on essaie de repérer ce genre de choses. Donc je les ai pas vus réinventer la roue. Par contre, c'est clair qu'ils sont beaucoup plus lents. Ils sont beaucoup plus lents. Il y a, comme je vous l'avais dit, les différentes barrières de langue et de culture qu'il faut passer. Donc il y a ça à faire et ça coûte, je dirais, plus cher en termes de gestion de projet. C'est-à-dire qu'il faut effectivement être derrière, revenir, aller chercher l'information, là où peut-être, des Européens seront plus habitués à remonter l'information tout de suite en disant « je vais être en retard, ça marche pas ». Donc ça, c'est vraiment plutôt le gros problème. En termes de réinvention, visiblement, ils ont plutôt d'ailleurs l'habitude d'aller chercher quelque chose qui existe pour gagner du temps. Et donc on verrait plutôt des copier-coller de trucs qui existent déjà que de réinventer la roue. Dernière question. Oui, bonjour. En fait, donc pour rebondir là-dessus, moi, je travaille depuis pas longtemps avec des développeurs chinois parce qu'on travaille sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc Weibo, RenRen, ce genre de trucs. D'accord. Donc nous, en France, on développe sur Facebook, Twitter ou autre chose. Et j'ai l'impression que les développeurs chinois ne font pas preuve d'initiative. Ils vont reprendre les classes qu'on a faites ou autre chose, les décliner, mais ils vont pas dire ça aurait peut-être été mieux de faire ça comme ça ou... pas de code review, de refactoring de leur part, en fait. C'est toujours à nous, en plus, de vérifier ce qu'ils font. Donc, complètement. Donc c'est exactement comme ça, quand je parlais de la partie gestion de projet. Il est important, au moment donné, de préparer le projet et de le livrer en termes de tâches aux développeurs chinois, de faire la différence entre les choses qu'ils savent faire et les choses qui vont être de l'innovation. Typiquement, l'innovation, c'est juste des choses qu'ils ne savent pas faire, donc ils n'ont pas l'habitude de faire. S'il y a besoin de rechercher, s'il y a besoin d'être, d'aller chercher un peu de nouveauté, ou alors si dans le cours du développement, ils rencontrent un problème inattendu, c'est fini, ils vont s'arrêter. Alors, je t'avouerai que je n'ai toujours pas trop compris ce qu'ils font pendant ce temps-là. Parce que, je ne sais pas ce qu'ils font. Alors, est-ce qu'ils se bloquent et ils attendent que le problème se résolve tout seul, ce qui a un peu l'impression qu'on en a, que ça donne, ou est-ce qu'ils vont être en train de chercher plein de trucs et ils ne vont pas trouver, parce que c'est aussi un problème. Moi, j'ai vu des développeurs chinois en France qui, eux, par contre, avaient l'habitude et étaient très proactifs. Donc, ils avaient fait une formation en France et quand ils rencontraient un problème, ils allaient mettre du temps, mais ils allaient se débrouiller tout seuls et ils finissaient par arriver. D'après moi, en Chine, en tout cas avec les développeurs qu'on a, nous, non, ça, ils ne vont pas y arriver. Et à un moment donné, ils vont attendre, jusqu'à ce qu'on aille les voir, leur dire... Et donc, c'est important, justement, de revenir régulièrement vers eux, sinon c'est le trou noir.
Je suis vraiment désolé, j'entends pas du tout. En fait, dans le cas des réseaux sociaux, dans ce cadre-là, c'est un peu embêtant, parce que pour nous, c'est déjà, c'est un projet prototype, et on a vraiment besoin qu'ils fassent preuve d'initiative. Donc, dans ce cas-là, comment on peut les motiver ou leur faire comprendre enfin, je sais pas. Je pense que le plus efficace va être d'injecter un minimum de formation étrangère. Donc, soit de trouver un Chinois qui a été formé à l'étranger. Et à ce moment-là, le plus simple, c'est quasiment d'aller le chercher ici, c'est-à-dire à la sortie d'une école. Bon, j'ai cité Centrale et l'UTC, il y a énormément de Chinois qui viennent apprendre ici. Et eux, généralement, il n'y a plus de barrière de langue et ils ont un bagage culturel qui est vraiment bon. Après, dans les équipes qu'on avait, on en avait suffisamment de monde, on en avait quelques-uns qui pouvaient prendre un rôle de leader technique. Mais ils étaient rares. C'est clair qu'en tout cas, on les a révélés en tant que leader technique après les avoir embauchés pour faire du développement en particulier. Donc, de ce côté-là, c'est un sourcing qui a été difficile. Il arrive en plus que, sur des petites boîtes, donc nous, on est vraiment une petite boîte, là, 30 développeurs sur la Chine, c'est pas énorme. On est évidemment directement en concurrence avec Tencent, avec Baidu, avec Sina, qui sont des trucs géants et qui ont en plus pignon sur rue, beaucoup plus qu'une petite boîte étrangère. Alors, on gagne sur le fait que généralement, les Chinois aiment bien travailler pour les étrangers. Et en plus, les Européens sont plutôt en haut du classement. C'est-à-dire qu'il y a toute une gradation entre les entreprises pour lesquelles ils veulent bosser. Les Européens, les Américains. Après, ils commencent à tomber sur les Japonais, les gens de Hong Kong, les gens de Taïwan. Et les Chinois sont à la fin. Donc, il y a cet aspect-là qui peut être intéressant, qui peut être attirant pour les Chinois. Mais effectivement, il faut arriver à trouver des gens qui ne sont pas timides et qui veulent se lancer, quoi. Mais je compatis parce qu'on a vraiment le même problème. Bon, de toute façon, je ne bouge pas de l'après-midi. Donc, si vous voulez venir me parler ou échanger sur des expériences et commisérer sur le Grand Firewall, il n'y a pas de souci. Merci bien. Alors, pour ceux qui voudront, les slides chinoises que j'ai utilisées comme démarrage sont traduites à la fin. Ah, qu'est-ce que je fais avec ça ? On va le demander à la demoiselle qui m'a répondu, enfin qui ont discuté à la fin.